Abonne-toi à MySports. Côté Bernois, Burgler qui peut s'avancer, le lancer. Et l'ouverture du score, Dario Burgler. En power play après 57 secondes de pénalité contre Dustin Jeffrey. 13e but de la saison, son 4e en power play. C'est le meilleur buteur en avantage numérique de son équipe dorénavant, Dario Burgler. Le lancer au premier poteau côté mitaine, Philippe Butrich qui n'était pas forcément masqué. Il a vu l'arrivée de Doty. Doty le lancer. La déviation et le but d'André Heim. Après 4 minutes et 10 secondes, André Heim qui donne 2 longueurs d'avance à Ambry Piotta, son 12e but de la saison. Au centre de la première ligne levantine. Le travail de Burgler, le lancer et la petite déviation d'André Heim pour tromper Philippe Butrich. Et tout ça part de la crosse de Johnny Knobuller. Yves Muller qui est contré. Trisconi avec Bianchi au centre. Trisconi qui fait tout seul et cette rondelle, elle finit au fond des filets. Elias Bianchi pour le 3-0 d'Ambry Piotta après 1 minute et 36 secondes de jeu dans cette période. On va certainement demander à aller à la vidéo là du côté de Simon Moser, le capitaine bernois. Elias Bianchi qui fête cette réussite comme il se doit. Sa 4e de la saison, si elle est validée. C'est Golubev qui vient faire trébucher Philippe Butrich. Et la mention d'assistance qui est donnée à Noëlle et Trisconi. Il n'y aura pas de... Thierry Bader le lancer. Et le but! Le but pour le CP Berne, Joshua Farny. Qui peut réduire la marque après 3 minutes et 17 secondes. Son 3e but de la saison pour Joshua Farny. Le lancer de Thierry Bader. Et Joshua Farny qui peut profiter de cette rondelle mal négociée par Janne Juvonen qui avait jusqu'à présent fait un excellent match. Dogavinj contré, Pestoni, Tsverger dans la cage vide. Dominique Tsverger pour le 4-1. À 3 minutes et 13 secondes de la fin du match. 7e but de la saison pour Dominique Tsverger. L'engagement perdu. Ensuite, le travail de Pestoni et Tsverger qui a poursuivi son effort pour aller marquer dans la cage vide. 56-47. Intervention d'Alpian. Dalpian pour Pestoni. Pestoni qui peut piquer sur le centre. Et le 5-1 d'Inti Pestoni. Troisième point personnel pour le top scorer d'Ambry Piotta. Sur cette bonne récupération, lui qui marque son 14e but de l'exercice. La récupération de Dalpian face à Phil Varone. Et ensuite, c'est très intelligemment joué sur Pestoni qui lui fixe son défenseur, pique sur le centre et trompe dans la lucarne côté mitaine, Philippe Butrich. C'est Thomas.